petit matin. Vent glacé comme un mauvais chagrin. Dans les rues qui t'enlacent, une ombre passe. On est si pressé. Je t'emmène avec moi. C'est un jour parfait pour tout oublier, pour tout inventer. Je t'emmène avec moi. C'est un ciel parfait pour tout effacer, pour recommencer. Je t'emmène avec moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur CGTV pour cette dernière émission de la saison. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être aux côtés de Baptiste Giabiconi. Baptiste, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va super. Hyper content d'être ici dans le Limousin. Bel accueil de la part des gens, donc ravi. Hein. Alors Baptiste, on va parler un petit peu donc de ton parcours, parce que tu as un parcours quand même assez exceptionnel, puisque tu étais ouvrier aéronautique. Et tu es passé au mannequinat. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, ce changement radical? Non, mais en fait, je travaillais, en fait, je bossais en usine et j'étais dans une salle de sport. Et puis, en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a conseillé de faire des photos, de faire des trucs. Et moi, je connaissais rien là-dedans et je l'ai écouté. Et puis, j'ai tout quitté. Je suis parti de Marseille, j'ai quitté mon travail, je suis monté à Paris. Et voilà. Vous aviez fait une nouvelle star à 16 ans. Pourquoi autant de temps entre 16 ans et aujourd'hui pour la musique? Déjà parce qu'à 16 ans, j'y suis allé vraiment pour m'amuser, pour déconner. Et voilà. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Et j'ai voulu aussi me concentrer sur un vrai boulot, un vrai travail, pour pouvoir assurer quelque part mes arrières. On sait très bien que c'est difficile de pouvoir vivre de ce qu'on aime, de sa passion. Donc il faut s'en donner les moyens et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors comment t'as fait la rencontre justement de Karl Lagerfeld, qui est quand même un grand monsieur, et tu étais l'égérie aussi de Chanel. Comment t'es arrivé jusque-là? En fait, il m'a repéré dans un magazine et puis c'est parti de là, quoi. Ça a été très rapide. Le deuxième album, le premier pardon, s'appelle Oxygène. Le deuxième, Un homme libre. Alors, tu t'es beaucoup plus investi, je crois, sur le deuxième. Il est plus à ton image? Ouais, je me suis énormément investi dans le sens où j'avais vraiment des thèmes, des sujets que j'avais envie d'aborder. J'ai beaucoup écrit, j'ai écrit 10 titres sur cet album. Et oui, je trouve que c'est un album beaucoup plus personnel. Et je dirais même, il y a un côté autobiographique où je raconte vraiment différentes choses, mais vraiment c'est assez profond, donc voilà, je n'ai pas hésité à me livrer et à me dévoiler sur certaines choses. Alors, il y a 10 titres sur 14, quel est l'univers, puisque le premier c'était un peu électropop, voilà, le deuxième. Très chanson française, vraiment je voulais aller à contre-pied aussi de ce que j'avais fait sur le premier, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus épuré, moins produit, beaucoup plus d'authenticité, de jolies mélodies avec des textes à la fois où les gens peuvent aussi s'identifier. C'est ce que j'aime, c'est raconter des histoires que tout le monde peut vivre au quotidien. C'est tes histoires ou c'est des histoires c'est mes histoires. Après, ce que j'aime, c'est que les gens puissent les approprier et en faire aussi leur propre histoire. Alors aujourd'hui, tu es en séance dédicace ici à Limoges au magasin Leclerc. C'est important pour toi d'être là proche de ton public et d'aller à la rencontre de ton public? Je dirais même que c'est primordial. C'est vraiment ce que j'aime faire. C'est ce contact avec mon public et partager tous ces moments avec eux, parce qu'ils m'attendent depuis des mois pour pouvoir me voir, faire une photo. Et moi aussi ça me fait plaisir d'aller à leur rencontre, en tout cas. Alors tu es donc partout en France. Les dates d'ailleurs s'affichent juste en bas de votre écran, pardon. Si on veut être tenu un petit peu au courant de ton actualité, ce qui va arriver par la suite, un site internet, les réseaux sociaux? Ouais, sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Twitter ou encore Instagram, c'est là où je communique, où je leur dis mon actualité, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre pour savoir un peu plus
Il y a des dates qui sont en train de tomber de la tournée qui s'appelle Je t'emmène avec moi. Je serai en concert le 4 octobre à la Cigale. Donc voilà, plein de belles choses et beaucoup de travail surtout. Et là, une tournée des centres culturels Leclerc où tout le mois de juillet je sillonne la France, je fais une vingtaine de séances dédicaces. Et voilà, pour mon plus grand bonheur et pour je pense aussi pour les gens aussi. C'est une première que tu es sur Limoges, alors qu'est-ce que tu penses de la ville de Limoges? Ben, c'est chouette, je suis hyper content, il y a un très bel accueil, les gens sont agréables, sympas. Ce que j'ai pu voir, j'ai bien mangé à midi dans un bon restaurant, de la bonne viande, de la limousine, enfin, c'est ça qu'on dit. Écoute Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici donc au magasin Leclerc à Limoges. Et j'espère à très bientôt, pourquoi pas, sur les pistes du Zénith ou ailleurs. Bien sûr, mais j'espère très très vite pouvoir être dans la région pour un concert. Et ben ce sera avec plaisir. Baptiste, merci. Et vous qui nous suivez, je vous remercie donc de nous avoir suivis. Et je vous donne donc rendez-vous maintenant dès la rentrée de septembre pour le retour de vos émissions. Ciao. Petit matin, vent glacé comme un mauvais chagrin. Dans les rues qui t'enlacent, une ombre passe. On est si pressé. À qui parler? Tu ne rêves que d'un nouvel été. Trop de questions qui dansent dans tous les sens. Où vas-tu aller? Je t'emmène avec moi, c'est un jour parfait pour tout oublier, pour tout inventer. Je t'emmène avec moi, c'est un ciel parfait pour tout effacer, pour recommencer. Et qui sait pourquoi la vie nous emmène dans ces coins-là. On se croit perdu, une main tendue, un nouveau départ. Et si demain, si l'ami, l'inconnu, c'était toi, qui rallume une flamme dans un regard, une nouvelle histoire. Je t'emmène avec moi, c'est un jour parfait pour tout oublier, pour tout inventer. Je t'emmène avec moi, c'est un ciel parfait pour tout effacer, pour tout recommencer. Hey. Pour recommencer, je t'emmène avec moi.